Bien, salut tout le monde, c'est Spiritwolf et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de la MC4 et donc pour nous on doit être sur l'épisode 6 ou 7 de MVO saison 4. Dites bonjour. Épisode 6. Bonjour. Bonjour. Et donc la vidéo est quand même publiée telle quelle avec les miniatures habituelles, le contenu habituel, tout ça sur la chaîne de la MC4. Simplement c'est mon point de le vue. Le point de vue change. On fait le ça point de vue parce d'un que... mec qui est complètement paumé dans le Nether parce qu'il a pas retrouvé le portail sans se péter la gueule. Écoute, tu sais les coordonnées, je les ai, oui. Je peux te les filer. Non mais je les connais les coordonnées, je les ai notées sur un bout de papier. Le truc c'est de les atteindre. Oui. Sans mourir. Bon, attends, on est capable. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Non. Bon, je vais essayer de vaincre cet arbre, moi, de mon côté. Ouais. Ah oui, on ne peut pas vaincre l'arbre des tuiles. On peut simplement y survivre. Ah bah, je vais déjà essayer d'y survivre. Dans ce cas, ce sera déjà une petite victoire. Vu que j'ai fait 5 morts au dernier épisode. À la balle, sur l'espace de 3 épisodes, il en a fait 8. C'est pas mal. Ouais, mais est-ce qu'il en a fait 4 par chute? Et une par tombe de. Je suis vraiment paumé, là. C'est un truc de fou là. Ah ouais, mais j'avais dit que j'irais miner moi. Ouf. Faut que j'aille chez je vois qu'une seule solution. Tu seras dans le seul à avoir du fer, putain. Et ensuite. Bah, plus personne n'a de fer maintenant, du coup. Si, moi j'en ai 10. Ah bah, Spirit, crafte-moi une pioche en fer, moi je vais miner. Je m'en vais à miner. Et j'ai déjà la majorité de mon stuff. Va me piquer dans mon coffre si tu veux. Ah ouais, mais parce que ton coffre est dans ta maison elle est super loin dans l'arbre. Et ouais. Bordel de merde. Sommet champion. J'ai aucun moyen de revenir là, franchement, je suis complètement kiblo dans une île, je sais pas comment je l'ai atteint. T'es kiblo. Ouais, kiblo. Ou alors faudrait que tu me mettes le keep inventory et je me slash kill pour retourner, mais bon. Bon, on peut faire ça à l'occasion, bon, c'est pas très très grave à la limite. Sinon, je vais mettre genre. 5000 ans avant de revenir. Merci. Attends, non, c'est moi qui le fais. D'accord. Comme ça, je suis plus content. Et je vais mettre mon chrono pour la durée de l'épisode. Quand t'as respawn, je remets à falls, mais sinon, ça, je fais pas avant, sinon ça va supprimer ton stuff. Mmh. C'est bon, je peux? C'est bon, tu peux. Donc, voilà. Allez, hop, je prends mon courage d'une main, hop. Ma pioche de l'autre. Non, je fais tomber un mouton du haut de l'arbre. Oh non, je me sens vengé. On récupère la laine au moins, s'il te plaît. Ouais, sauf que pour récupérer la laine, il faudrait que je saute. Ouais. Ou tu descends normalement, hein. ça aura pas des pop, je pense. Ouais, sauf qu'il faut que je retrouve le chemin. Hop. J'aurais peut-être vidé mes poches avant de demander. Je vais peut-être prendre encore un petit peu plus de bois quand même. N'oublie pas, c'est bien, si tu veux du fer, là c'est bon, j'ai pris dans mon inventaire, si tu veux. Attends, donc là du coup je prends une pioche en pierre quand même, parce que ça peut servir, putain, voilà, deux même. Et je vais aller dans ton coffre. Bah attends, j'ai dans mon... Moi j'ai sur moi, là. Je viens de le récupérer. Ah ouais, j'avais 7 mon spawn, j'avais 7 mon spawn chez moi, j'avais fait un lit. Par contre j'ai un gros tas de... Ok, je descends. Je me casse la gueule sur une branche. Aïe. J'ai 3 cœurs, je remonte. Je prends la branche secondaire, je fonce. J'ai 4 cœurs et demi, j'avance. J'ai 5 cœurs, wesh. Ça va vite, j'avance. Un passage étroit, putain, ça fait peur. Je monte, escalier, je chope l'escalier, j'ai peur, je vais mourir, je monte. Que je refasse. À boule le métal! Là! Ah tiens, prends tout! Ne fais pas de mal! Tiens, j'ai eu chipé l'underpair, non, je déconne. La table de craft, voilà. Je vais faire une pioche en fer. Par contre, faudra que je m'en refasse une, moi aussi, mais bon. Voilà, et je te laisse ça, voilà, hop. Je suis paré pour aller mineur. Moi aussi j'ai envie d'aller. Je manquerais peut-être de bouffe. Est-ce que je peux t'en chipper un tout petit peu? Tiens, j'ai 3 beaucoup, hein, mais. Tiens, 3 poulets. Merci.
Allez, here we go. Putain de merde, comment je vais faire pour descendre? Ah là là, ça fait chier. Saute. J'ai bien placé, hein. Bon, moi, jusque là, j'ai pas eu de problème pour y aller. C'est la construction que je suis mort, mais pour y aller, j'ai jamais eu de problème. Et pour descendre de l'arbre, putain, mais il faut faire des dizaines de kilomètres. Bah oui. Alors bon, je ne peux pas non plus commencer comme si je faisais la vidéo. Non, pas vraiment. C'est pas moi qui fais la vidéo, MDR. Oh là, j'ai failli tomber dans le vide, moi. Et de toute façon, moi aussi, je suis en train de descendre. J'ai aussi éliminé dans une ligne que j'avais fait près de... Merde, putain, allez. Bon bah, finalement, j'ai raté mon pari. Je me suis pris un demi-cœur de dégâts de chute. Tellement nostalgique, maintenant. Mon dieu. Donc, du coup, voilà. Maintenant que j'ai balancé le stuff de Tinjoff dans la lave, je suis tellement nostalgique. Il va falloir que j'aille miner. Donc, du coup, je reprends mon speed quand même. Oh, il commence à faire nuit. Ah, bah, c'est parfait. Comme ça, il y aura moins de mobs dans les grottes. Ah, qui sait, écoute. Qui sait. Bah, non, c'est une question de logique. Quand il y a plus de mobs dehors, il y en a moins dans les grottes. Vu qu'il y a une limite, le nombre de mobs à spawner dans un même chunk, c'est capé. Je viens de dire heureusement. Non, ok, alors voilà, donc ici il y a des je suis dans une grotte qui passe juste au-dessus d'une faille, donc il y a des trous un peu partout et on peut tomber dedans tout le temps. Ouais, c'est le danger. J'aurais dû prendre du charbon pour me faire des torches, MDR. Moi, ouais, pareil, parce que j'en ai que deux, bon, c'est pas grave. Alors, je suis sûr que j'en ai retrouvé. Ouais, j'en ai déjà plein là, donc ça va. Rien qu'à partir de ça, voilà, à partir de 6 cols. J'ai 28 torches, ça peut déjà me servir pour un petit moment. J'ai commencé la mine haut quand même, parce que faut descendre longtemps avant d'arriver. Si, non, pas là. Ici, voilà. Voilà. Donc là, je suis dans une caverne assez vaste, au-dessus d'une caverne encore plus vaste, dans laquelle je ne m'aventure pas. Je suis dans une immense parce que la dernière fois que j'ai essayé de le faire, je suis tombé et je suis mort. Enfin, je suis tombé et je me suis retrouvé à 3 cœurs. Ensuite, j'ai dû revenir en urgence, ça a été d'une galère folle. Oh, mais c'est vrai, moi j'ai pas besoin de torches, je suis dans un endroit où il y a plein de lave à chaque ah, fois. Ah putain de merde! Non. Allez, c'est élevé, va-t-il mourir? Pas ici! Putain, mais c'est du gruyère la map! À la limite, vu qu'il n'y a pas le keep inventory, ça va, mais. Enfin, s'il n'y a pas le mob griffing, je veux dire. Ça va, mais. Putain. Oh putain de merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. S'il me propulse, là je mourrais. J'aurais peut-être pas dû faire cet émeraude. Ça va, j'ai eu chaud, mais bon, là, je viens de faire tomber, quoi. Ouais, facile 5000 blocs de gravel. Facile. Alors là, l'exploration des grottes dans Minecraft, ça n'a jamais été aussi intense me concernant. Attention. Oh, merde, moi, ça c'est... Oh, deux cœurs, ok, deux cœurs. Il y a des mobs partout, je vais mourir. Ah, oh, cool. Le connard. Le casse. Oh non, moi, ça va. Putain, je suis tranquille. Ah bah, moi, je viens de... me prendre un petit peu à manger, je vais pouvoir y aller. Ah merde. Non, je me fais assaillir d'une armée de zombies. Ouais, non, par contre, faut pas que je reste en surface. Non, c'est une mauvaise idée. Ça commence à être l'anarchie. C'est quoi ce délire? Pourquoi je suis tombé? Pourquoi je suis un noob? Bon, en même temps, tu me diras, je peux de cette manière, vu que là j'ai régène et que les mobs sont pas spécialement violents encore. Oh de l'or. Je vais essayer d'investir et de torcher le terrain. Comme disait Gilia à l'époque. Montagne d'or. Oh. Comme ne dit absolument plus Monsieur Elvia, parce que se renouveler, c'est bien. Alors, je descends dans le premier trou que je vois. C'est très le torchage. Doit être chez Tinjoff. Ah putain, faut que je mange. Il y a des creepers, il y a des squelettes. Putain, voilà. Et le squelette. Putain. Merde. J'ai eu chaud. Ok, je suis midlife à cause de ces trois squelettes alignés. Ok, c'est. La mort avec un grand A. Ah, sur cette map, les squelettes, c'est... Putain, mais je vais vraiment crever, en plus. Ils sont hyper dangereux. C'est... Je suis full stuff faire, les mecs, calmez-vous. Il faut du midlife. Il faut stuff faire, vite. Faut le tuer. Pour tout récupérer, même si on peut... Il y en a un quatrième, YOLO, il peut y avoir un spawner, ou bien alors... juste l'absence de luck. Je sens que t'es en train de me paumer. Je suis sûr que je réussirai. Oh, ça va, c'est une ligne droite, je réussirai à me retrouver. Bon. Bon, moi, je ne réussirai pas à remonter par le chemin conventionnel, ne rêvez pas. Il n'y a même pas le chemin conventionnel. Ok, pour des offrandes de émeraude. Alors, si ça respecte bien Minecraft, j'ai creusé sous mes pieds, quelle idée de merde. Aïe. Merde. Je suis en feu.
Si ça explique bien ma critique, que des filons de 1. J'y crois, j'ai mis pied dans un pixel. C'est assez rigolo, j'ai tellement l'habitude de record pour, à votre place, que à chaque fois que j'ai un truc que je me dis que ce serait bien de le voir à l'écran, je regarde si mon frappe c'est bien en train de tourner, et puis je me rappelle que... Ah, génial, j'ai plus que 3 coeurs. Heureusement qu'il y a pas de je ramasse, plein de fer. Bon bah. Ah, pareil. C'est... Et là, à ce moment précis, il y a un creeper qui se pointe et. Je croule sur le sous le fer. Oh, c'est génial. Aussi. J'en ai. 18. On est tous les deux en train de miner, c'est ça? Ouais. Et moi aussi. Pas au même endroit, mais. Tous les trois. MDR. Là, j'ai des grottes tellement immenses que. Oh, j'ai eu peur. Je venais de miner de la redstone et puis en fait ça cachait un peu de lave. Heureusement ça a mis du temps avant de couler. Vraiment quasiment pas de redstone pour le coup moi. Les grottes sont juste immenses, c'est absolument fun à faire. De l'or. Mais j'ai pas de là, si on peut dire, s'il y a un truc dangereux dans cette série, c'est le minage. Pour le coup vraiment. Tu fais un faux pas, tu tombes super bas, tu peux pas remonter, t'es à 2 coeurs avec plein de mobs autour. Ah non, moi je suis à un bon endroit hein, personnellement. Je suis à un bon endroit pour miner. Tout va bien. Je t'emmerde. Bon. Bon, moi j'ai trouvé que de l'or que je ne peux même pas miner. Ah, ok, une tanière de mob. Coucou les mecs. Ça jazz. Ok, ouais, je suis ralenti, je suis empoisonné. Dopinska, une witch. Alors, quand t'es ralenti, empoisonné, qu'un creeper et un squelette, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Oui. Ouais. Alors, tu combo le squelette, puis tu combo le creeper. Mais tu meurs quand même à la fin, vu que tu finis un demi-coeur à cause du poison. Et qu'il y a un petit squelette qui est époisé par derrière là. Et qui dit coucou. Du fer. Un seul minerai. Ouais, le poison pourrait pas être plus long. Oh merde. Donc le point de vue de fer étoile fait intéressant ou Deux minerais. Bah je passe mon temps à frôler la mort de près à cause de la lave. Moi j'ai un demi-cœur et avec plein de mobs autour, tout va bien. Swag. Je mange parce que ce serait bien que je reste pas un. Bon, je mine un peu au pif, hein, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. De l'or, des moi je fais des tunnels en contournant la redstone parce que j'ai toujours pas de chauffe en fer. Merde, c'est vraiment la grosse. Il y a de la lave tout autour de moi. Les minerais sont beaucoup moins fréquents actuellement que dans les autres séries de MVO ou d'une map vanilla de base, mais en fait dans les grottes t'en trouves masse. Les grottes sont juste immenses, c'est des grottes de FK. Mais sauf qu'il y a moins de minerais quand même que dans des grottes de FK. Oula. Les grottes sont magnifiques si on regarde en l'air, en plus là on voit pas trop du coup, mais il y a des stalactites de la folie de... Ah bon? Oh coucou, où sont tes parents? Qu'est-ce que tu fais à te balader tout seul? T'es agressif tu sais, t'es mort tu vois. Je veux manger bah voilà ton père. Ta chair. Bah moi je récupère des cerveaux de zombies, à go. Oui parce qu'avec son pack de chair de zombies c'est... Ah bah la mère, bonjour. C'est encore plus glauque, manger des cerveaux de zombies. Oui, une chair de zombies. C'est très glauque. Ah, une chauve-souris, ça m'en... C'est, et c'est du cannibalisme. Oui. En plus. Bah, dans les deux cas, c'est du cannibalisme. Oui. Enfin, du cannibalisme de cerveau. Vous pouvez voir sur votre écran à droite, Falaval est le recordman de mort, mais bon, pour l'instant, il va peut-être pas le rester, vu qu'il n'est pas dans l'épisode, ses morts ne peuvent pas augmenter, tandis que les nôtres le peuvent. Et d'ailleurs, si je fais pas gaffe, ça va m'arriver dans peut-être pas trop longtemps. Et moi, je remonte parce que je commence vraiment à m'inquiéter, vu le nombre de fois que j'ai failli crever à cause de la lave. J'ai pas envie que tout mon stuff se barre en miettes. Mais je mine un peu la redstone autour de moi. Est-ce que ça fait plaisir? Purée, il me manque un lingot de fer et je peux me faire ma pioche. Ah, ça m'avait manqué, ça, ce jumpscare classique. Tu regardes le creeper. Il t'a pas vu, il va dans la direction opposée à toi, tu commences à miner ton fer. Et là, coucou! Coucou! Et boum! Vous avez pu réentendre le cri le plus viril du monde. Ouais. FLB. Tiens, d'ailleurs, vérifie tes paramètres phrases, parce que la dernière fois qu'on a entendu ce cri, j'ai pas enregistré mon son, et je pense que ça fera pas vrai si je refais le doublage. Ça sera pas authentique. C'est-à-dire, mais déjà, j'ai chanté un Epic Pixel Battle en direct, et ensuite, j'ai fait des hurlements de fillettes que je pourrais pas vraiment reproduire volontairement. Bah, je sais pas, je suis en record de Winset Sonde. Stéréo, puis Et l'autre record de microphone, tout ça, il est activé. Moi je record mon micro. Ouais. Purée, ouais. Je trouve plein de minerais, mais je peux pas les miner. Ok, il y a une branche secondaire de la faille où il y a encore plus de mobs et encore plus de minerais. Fer. Ok, émeraude, utile. Purée, si ça continue, je vais trouver du diams avant d'avoir trouvé assez de fer pour me faire une pioche. Ok, bah, je mange un steak. Tu donnes les coordonnées, moi j'en ai une de pioche en fer. Et puis après je te donnerai le diams. Enfin, trois fils. Minerais, je te laisserai le ramasser. J'ai trois fils. Ouais, je suis quand même capable de trouver un minerai de fer.
Qu'est-ce que ça veut dire? Espérons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arc. Ça veut dire canne à pêche. Non. CLB, tu me fais peur. Sérieusement. Bah, je fais chaud après, moi, je fais des vidéos. Pas mort ici, moi. Non, je suis en train de tourner en rond, d'accord. Purée! Mais j'ai trouvé assez d'or pour me faire une maison, là, sérieux. Moi, j'en ai 9, perso. T'en as combien? Bah, je ne sais pas, je peux pas les miner. Ah, lol. Mais t'en as trouvé à peu près combien, tu dirais? Bah, je crois que c'est mon 3e ou 4e filon. Ah oui, d'accord. On pourra faire une maison avec ça. Oui, ouais. Non, mais enfin, c'est pour dire. Ouais, c'est une expression. Ouais, si tu pouvais le miner, par contre, on pourrait se faire des pommes en or. C'est ce qu'on appelle, peut-être... Ah bah voilà, du fer. Je ne connais pas, là. Cette figure de style, je sais même pas quel nom elle porte, peut-être hyperbole, mais je suis pas sûr. Je sais plus exactement à quoi ça correspond, hyperbole, c'est une idée d'exagération, mais... Yes. Dans quel domaine, ouais, écoute, quel... j'ai décidé d'oublier mes... Ok, j'ai oublié de torcher un seul coin, il y a 10 mobs dedans. Bien. Logique. Bravo, GG, Panax. Je suis... Ah, deux creepers, un à gauche, un à droite, qui font pchit en même temps. Les squelettes qui se foutent sur la gueule entre eux. Allez, on fait cuire le feu. Allez, c'est le bon match entre Jean-Philippe et Jean-Paul. Qui est-ce qui va réussir? Apparemment, Jean-Philippe a tout droit. Jean-Paul, c'est un cheval. Hein. Ah bah, ah, oh, le squelette a envoyé. Oh, les mecs. Oui. Oh, il pleut chez moi. Je crois que j'ai l'occasion d'avoir un CD. Ouf. Un contrat à durée. Un contrat à durée, quoi. On s'amuse. Non. Bah, tant pis, je l'ai pas eu parce que le squelette a décidé de ne plus me viser. Il est parti à 3 km. J'ai reçu un message Skype. Un petit peu de... Merde. Ne pas déranger, merci. Voilà. Salut Alfric, désolé, je n'ai pas répondu à ton message ce 26 juillet. Je m'excuse infiniment. Excuse en vidéo, écoute. On est arrivé. J'ai plus de stick, par contre. Allez, c'est parti pour l'or. Moi, je vais remonter un peu, je crois. Ah, un squeletton. Avant de crever, comme une merde. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour remonter. Je crois que pour les grottes, on s'autorisera quelques coups de grappin à la MVO3. Tu sais, je sais pas si tu te souviens. Ah, j'ai miné au petit de ce côté-là. Oh. Première nouvelle. Ah, miné au petit, moi, si je suis réduit à miné au petit, c'est que vraiment j'ai passé des heures dans la grotte. Oh, j'ai dû trouver une grotte. Ou une... L'épisode, ça pourrait s'appeler. Après, c'est que je vais finir par me paumer. Je... Ah, bah, moi, je suis paumé depuis bien longtemps. J'explore, c'est je mine, et puis je tue des squelettes. Ça s'arrête là. Moi je récupère tout. 44 fer. Oh bah c'est bon. Miss, game over. Ah, dommage que ce soit pas vrai. Je suis mort 4 fois. Miss, game over. Si jamais on veut de la canne à sucre, c'est bon, j'ai 5 émeraudes. Bien. Il faut aller voir. Faut donner ça va l'émeraude tout seul maintenant. Alors je rate beaucoup de minerais, je sais, mais bon, en même temps, je suis trop occupé par le butage de mobs et l'éclairage. Un jour, je revois la lumière du jour. Hein. Ah, ça me fait pas plaisir, par contre. Et le et l'arbre qui a un peu de mal à charger. Voilà, c'est bien. Bon. Moi, j'ai bizarrement, ça m'étonne, mais j'ai jamais eu de difficulté à charger l'arbre. J'aurais cru que ça le serait, mais non. Bon, écoute. Coucou, Molos. Moi et ma connexion, Molos. Hein, tu sais. Victim balance. Oh, un plan de canne à sucre a fini par pousser entièrement. Oh. Bien. On va pouvoir se faire une table d'enchante. Ouais, on pourra enfin s'enchanter grâce à la canne à sucre. Oui, la précieuse. Voilà. Ouais, ils disent toutes les ressources pour survivre. Ouais, mais bon. En même temps, il n'y avait pas d'animaux sur la map, pas de canne à sucre non plus, enfin, seulement sur le continent principal, mais bon. Voilà quoi. C'est un petit peu loin. Merde. Un petit peu. Ok. Oh, j'étais propulsé, mais super loin quoi. J'avais pas d'autres morceaux de viande dans le temps. Oh non. Comme vous avez pu constater, ah non, je déconne. Il va falloir que je forme un peu d'animaux, histoire. C'est les cochons qui l'a. Tinjoff a bien dit parce que c'était qu'il fait deux items rares. Ah, les cochons, il a dit qu'on pouvait y aller. Ok, bah parfait, parce que je commence à tomber un petit peu en cours de bouffe. Deux items qu'on peut que très. Allez, farmage intensif de cochons. En fait, je peux même pas trouver de diamants, je suis trop. J'espère que ces lags de voix ne se verront pas sur la vidéo. Bah, si. Ah, bah merde. Bon, dans ce cas, par moment, t'as une voix un peu chelou, quoi. C'est curieux. Ah bah écoute, j'ai une connexion de merde, hein, que veux-tu. Oh là.
Mais c'est une fait n'importe quoi. Oh merde, j'ai tué un poulet à la place. C'est pas... Je récupère tous les œufs au passage. Six côtelettes, peut-être encore un peu si j'en croise sur chemin. Hop, je mine un peu de charbon parce que je n'aurai jamais assez de torches. Comme disait Fanta dans son premier guide, on n'a jamais assez de charbon. Écoute, j'en ai 36 sur d'un moi. Moment, ouais. J'en ai 36 sur moi, donc ça va, j'ai pas vraiment un plein. J'en ai 26, mais j'ai 47 torches aussi. Dont, bah moi j'en ai dont, 30. D'ailleurs j'en ai utilisé beaucoup plus hein, que 47. Mais... Non, en fait j'en ai 35 et j'ai 2 torches. Donc, que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Mais... J'en avais pas vraiment besoin vu là où j'étais. Hein. T'as pas utilisé de torches? Bah non, j'étais dans un endroit rempli de lave. Il y avait plein de petits lacs de lave partout, ça éclairait bien la pièce. Moi par contre là je suis dans la darkness au plus total. Mais genre complètement quoi. Le pauvre. Rien d'éclairé, rien, nulle part du tout. T'as pas de bois pour te faire des sticks et des torches? Si. Ah, voilà. Justement, c'est pour ça que je m'en sers. Ah voilà. C'est qui voulait creuser une maison dans l'arbre déjà? Dans l'arbre. Creuser une maison dans l'arbre? Ouais. Dovahkiin avait commencé à faire un petit truc, mais il a arrêté. Ouais. Puis moi, je voulais faire comme ça à la base, mais bon, je me suis rendu compte que c'était légèrement compliqué. Légèrement. Mais c'est vrai que le concept était là quand même. Les torches ça éclaire vraiment pas assez, ça éclaire que 15 blocs, c'est ridicule 15 blocs. Bah c'est toujours ça de gagner, écoute. Toujours mieux que d'être dans le noir. Faudrait que j'arrête de miner la pioche en pierre et tout qu'on peut miner. La pioche en... Non, inverse. La pioche en fer. Non, c'est... Faut que j'arrête de miner la pioche en fer, tout ce qui peut se miner à la pioche en pierre. Voilà. Bon. Je suis de retour parmi les vivants. Ah bon? Mon dieu. C'est une côtelette, un peu de fer, un peu d'or et un peu de redstone. Oh cool. Et maintenant, si je ne tombe pas, je suis bien parti. Si tu tombes pas. Faut que tu te fasses une maison dans l'arbre, t'as oublié? Je ferai ma maison dans l'arbre peut-être un jour, mais elle sera uniquement décorative, sauf si vous aménagez un ascenseur. Ah bah peut-être qu'un jour on le fera, hein, cependant. Ouais, ouais. Un ascenseur, ouais. Ce serait pas une mauvaise idée. En quelque sorte. Enfin, un ascenseur en quelque sorte. Bon, pour l'instant, je vais me faire une petite maison au-dessus. Des panels de téléportation utilisant des command blocks, genre on échange 10 émeraudes contre un command block servant uniquement à des buts d'ascenseur, des machines qui seraient à des buts de give. Ouais, non, pas du tout. Triste. Oh, tiens, ça fait tellement des dizaines d'années que j'ai pas été de provoquer un Underman. Aïe! Non, moi j'en ai pas provoqué. Coucou, mec. Il faudra que je les donne à... Tac. J'ai oublié à quel point c'est stressant de se battre contre un Norman qui se téléporte tout le temps alors que tu n'as même pas le temps de le toucher. Merde. Je comprends que leur design... Je vois, leur design est vraiment... Je vais trouver un... Et là, ils font une stratégie de base, à savoir faire croire qu'ils t'attaquent plus. Il n'y a plus de son, ils se téléportent plus rien. Moi, je vais essayer cependant, de... au moment je vais où essayer d'aller planter des champignons. Moi, je vais aller planter des champignons. Ils te retrouveront et te buteront. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah non, c'est moi qui l'ai posé. Je me demandais qui avait posé une planche là où je minais mon lapis. What the fuck? J'avais pas genre de héros brain qui est de retour, une Mighty Shumaya qui se révèle et tout. Tounounou. Attends, c'est parce que j'avais mon clic, mon petit doigt appuyé quand je faisais roll ma souris. Voilà, on a. Quoi, se donner 3 items rares si j'arrive à emmener ce stuff en haut. Coucou. Moi je vais creuser un petit truc dans la roche pour tenter de faire. J'ai un stack de fer, 21 or, 2 redstone, beaucoup de lapis, 16 trucs. C'est bon, ça te suffit, je peux remonter là. Oh oui, largement je pense. Là c'est bon, je pense qu'on a assez. J'ai peut-être stoppé ce record là maintenant, moi. Comment ça? Bah ça doit bien faire 21. Plus de 21 minutes que ça tourne, donc ouais, donc on arrête l'épisode ici, ça me paraît super rapide. Voilà, donc c'est on fait beaucoup d'épisodes beaucoup trop longs. Hein. Donc voilà, donc sur ce, c'est la fin de ce sixième épisode de MVO4, et sur ce, je vous dis portez-vous bien, c'était Spiritwalk, puis c'est ciao les gens. Et donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CB. Bye!